Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre avantage. Tu es l'avantage de mon frère et de ma sœur. Merci car avec toi, nous faisons la différence sur la terre. Par ta présence, le monde tout autour de nous doit se demander, mais qu'est-ce que ce peuple a de différent que nous? Qu'est-ce que ce peuple a que nous, nous n'avons pas? Comment ils vont si vite? Comment ils ne s'arrêtent pas? Comment ils ne parlent pas de la crise? Comment ils sont toujours dans l'innovation? Comment ils sont toujours dans la créativité? Comment ils nous dépassent à tous égards? Alors ils recevront comme réponse que ce peuple est mis à part. Ils ont en eux l'esprit de Dieu supérieur. Ils ont en eux l'esprit de Dieu qui n'a pas d'habitation parmi les hommes. Ils ont en eux le Dieu de la différence. Lorsqu'ils se réunissent le dimanche, ils vont là-bas pour se ravitailler. Ils vont là-bas pour se fortifier afin d'aller impacter dans le monde, afin qu'on puisse remarquer là où nous sommes, que nous sommes totalement différents. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et ce matin, il est en train de marquer sur nos fronts. Il est en train de nous marquer d'un saut et écrit mise à part, mise à part, mise à part, mise à part. Il est en train d'écrire sous le front de quelqu'un que ton cas est différent, que tu ne seras pas traité de la même manière, que toi tu vivras une vie à part. Même si la destinée des hommes de ta famille était déjà signée là-bas, mais toi tu reçois une autre signature qui te met à part et qui te distingue. Si je parle à toi, dis-moi amen. La qualité de ton amen, c'est la grâce de la distinction qui vient sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit nous a été donné comme un sceau. Lorsque la Bible dit que l'Esprit nous a été donné comme un sceau, cela veut dire que nous devenons propriétaires de Dieu. Il nous a scellés. Il a mis les cachets. Il a mis la signature pour dire que nous lui appartenons. Cela veut dire quoi? Que demain, celui qui a mis les sceaux, le sceau n'est pas important. Mais le sceau est important lorsque celui qui a mis le sceau n'est pas là. Parce que le sceau veut tout simplement nous identifier, tout simplement identifier le colis ou la lettre à la personne qui a signé. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit, il est le sceau de Dieu pour nous. Alors lorsque nous disons le sceau, lorsque nous sommes conscients que nous sommes le sceau de Dieu, scellé par l'Esprit, la démarcation ou la visibilité ou l'approbation ou la visibilité de ce sceau-là doit être remarqué en dehors de celui qui a scellé cela. Et c'est dans le monde que nous devons marquer, nous devons montrer que nous avons scellé. Est-ce que je suis en train de parler de quelqu'un? Que les sons de l'Esprit. Regarde Roland, je viens mettre les sons, je dis ok, Roland m'appartient. Dit, ok, je viens mettre les sons.
Et vous allez remarquer dans la Bible, il y a un homme, le premier homme, qui a reçu les sceaux de Dieu. Et vous allez comprendre avec moi. C'était Caïn. Caïn, lorsqu'il a tué Abel, Caïn n'était plus à l'aise. Alors il a dit à Dieu, mais j'irai où? Partout où j'irai, on va me tuer, on va me faire du mal. Alors qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, Dieu a mis un signe sur Caïn afin qu'on ne puisse pas le détruire, afin qu'il puisse trouver un couloir. Mais le signe que Dieu avait mis sur Caïn, c'était pour que partout il sera, qu'on ne puisse pas le toucher. C'est ça le but du sceau. C'est ça le but de Dieu. Quand il vient mettre son sceau sur nous par le Saint-Esprit, c'est pour que partout nous irons, qu'on remarque que nous sommes intouchables, que nous sommes insaisissables, que tu ne peux pas me toucher, parce que Dieu a mis un signe là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes un signe et un présage pour Dieu dans cette nation ici. La Bible parle d'Israël, mais c'est ta portion aussi. Tu es un signe pour Dieu. L'Esprit nous a été donné comme un sceau. C'est du où que tu iras, même si tu pars en village ou en ville, on doit remarquer que tu es le sceau de Dieu. On doit remarquer que toi tu es le représentant de Dieu. On doit remarquer que tu es en toi. On doit voir que toi tu es mis à part. En d'autres termes, le sceau te met à part. Le sceau veut seulement dire que ton cas est différent. Le sceau veut seulement dire, toi, ton traitement sera agréablement différent. Dis-moi amen si tu crois cela. C'est de toi que je suis en train de parler. C'est de toi que je suis en train de parler. Et cette parole ici, si tu la reçois, c'est ce que tu vas vivre. La qualité de ton amen détermine la grâce qui vient sur toi. Si tu reçois cela, aujourd'hui seulement là, aujourd'hui, les hommes vont voir quelque chose en toi. Aujourd'hui seulement, en sortant de cet endroit ici, on dira, mais comment toi tu es comme ça? En réalité, tu ne vas pas voir ça toi-même, mais c'est les autres qui vont remarquer. C'est exactement avec Moïse, quand il est descendu de la montagne, puisqu'il avait reçu les sceaux de Dieu, il y rayonnait de gloire. Mais le peuple a dit, Moïse, on te connaissait ici, on te voyait ici, mais il y a maintenant quelque chose, il y a maintenant quelque chose qui rayonne en toi. Moïse, tu es devenu différent. Et la Bible dit, Moïse était obligé de se couvrir parce que son visage rayonnait de gloire. Ton visage va rayonner de gloire. La qualité de ton amen, c'est la marque divine qui vient sur toi. Dis-moi amen. L'Esprit est en train de le faire ce matin. Voilà, là c'est le mot de bienvenue que l'Esprit te donne. L'Esprit te salue, il te dit bienvenue dans le palais royal. Il dit, il y a une marque divine sur toi. Sous ton visage, il y en a. Voilà pourquoi tu ne peux pas être triste. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas se réjouir. David savait cela. Voilà pourquoi il avait dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons là-bas. C'est le lien de la différence. Quand je suis dans sa présence, oh non, il y a quelque chose qui se passe. Dis-moi amen. Regarde la personne qui a construit le livre vraiment là. Est-ce que tu comprends ces choses? Que tu es un signe.
et que tu as reçu la marque de Dieu et que partout tu dois aller on doit voir sur toi que tu es la propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu et tu es inarrêtable. Dis-moi amen. Allez, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Ça c'est la salutation divine. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, Dieu peut te saluer aussi autrement. Il te salue en envoyant sa parole pour te mettre dans les contextes. Parce que des fois quand on vient dans la présence de Dieu, des fois on a des pensées éparpillées. On pense qu'on vient dans la maison de Dieu, on vient seulement pour venir. Non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi tu as reçu les bonjours du Saint-Esprit en te disant que tu es la marque préférée de Dieu. Alors maintenant tu peux encore saluer la personne à gauche à ta droite et dis-lui que tu y es la marque déposée de Dieu. Et tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à l'église locale de Kinshasa. Voilà, nous disons toujours une église d'apparence ordinaire. Où la présence de Dieu nous distingue. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence. Pour son église qu'il bâtit lui-même. Et ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Parce qu'il nous a fait du bien. Et il a permis que nous puissions être ici présents. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Merci pour sa présence. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour la présence de son serviteur, notre Père. Vraiment notre pasteur Justin Biaba Tantou. Et je demanderai vraiment que nous puissions acclamer le Seigneur pour le don de Dieu. On acclame le Seigneur pour son serviteur, notre Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames Dieu. La grâce que tu honores, c'est la grâce qui vient sur toi. Nous acclamons la grâce qui est sur sa vie. C'est la même grâce qui est sur nous. Tu dis amen, tu reçois cela. Alléluia. Amen. Et il n'est pas avec nous. Comme nous le savons, ceux qui ont eu la grâce de voyager au siège, nous avons eu la semaine royale. Voilà, une semaine puissante. Et le Père, et vous l'avez vu là-bas dans les images, donc actuellement, il est en Europe avec toute une délégation. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ICC Paris. Pour l'inauguration, mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait à Paris? Il va le faire aussi pour nous ici. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'inauguration de ICC Paris? Oh, tu acclames le Seigneur. Nous honorons ce Dieu qui a pourvu. Nous avons entendu des témoignages. Seigneur, merci pour ton église que tu bâtis. Nous sommes reconnaissants pour ton œuvre et nous savons que nous aussi, tu nous feras grâce. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous honorons la grâce. Et nous savons que nous aussi. Ah oui, hein. On va vivre notre cité royale ici. Oh, donne-moi un bon amen. Oui, nous connectons à la grâce, c'est la même grâce. Oui. Parce que tout le monde a parlé. Même ceux qui ne sont pas d'ICC, ils ont parlé de la cité royale.
Ils ont parlé que c'est tellement beau, c'est tellement joli. Alors nous bénissons Dieu pour ça. Nous savons que c'est Dieu qui a fait cela. Et c'est pour sa gloire. Et quand nous honorons le Dieu qui a fait à Paris, le même Dieu qui va finir ses bâtiments ici. Je croyais que tu allais me dire amen. Parce qu'en réalité, quand je dis le même Dieu qui va finir ici, il va te bénir. Il va te donner les moyens pour financer son œuvre. C'est une bonne opportunité pour que Dieu te donne combien tu veux. Et penser que tu allais introduire ton dossier directement. Pour dire, Seigneur, moi je fais des millions. Et c'est une bonne occasion. Je pensais que tu as demandé à Dieu même 10 millions de dollars. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de rêver. Toi, au moins, demande à côté si tu veux courir ça. Alléluia. Amen. Donc, nous rendons grâce à Dieu à cela. Merci pour son église. Il bâtit lui-même. Alors, ce matin, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos centres? On acclame le Seigneur. Merci. Merci pour vos vies. Merci pour les prix que vous payez. Alors ce matin, j'aimerais continuer dans la même direction que le Père a commencé. Alors il a commencé le dimanche dernier avec un thème puissant. Toujours en restant dans notre grand thème qui parle des témoins de Christ. Et il a touché un domaine capital. Il a touché un point capital. Et comme le Père a ouvert la brèche, nous aussi nous allons venir dans la même direction. Et comme il a annoncé lui-même qu'il y aura d'autres serviteurs qui viendront d'ailleurs par la grâce de Dieu. Oui, ce sont des serviteurs de la maison ICC et qui viendront ces mois ici pour nous parler en restant toujours dans la même thématique. Dis-moi amen si tu es d'accord avec moi. Alors nous parlons de la bénédiction des témoins. Ce matin, moi je viens ouvrir une brèche pour parler de vivre la bénédiction divine au milieu des ténèbres. Le Père nous a expliqué largement comment nous sommes devenus bénis. Il a pris l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi, pour nous démontrer d'où est venue la bénédiction, afin que nous soyons vraiment convaincus, afin que nous puissions bâtir notre vie sur ce que Dieu a dit et sur ce qu'il a fait, afin que nous puissions vivre la bénédiction de Dieu. Bien sûr, comme étant des témoins. Oui, des témoins qui doivent manifester la puissance de Dieu. Oui, toujours dans le cadre de cette dimension-là, des bénis de Dieu. Et il nous a ramenés pour comprendre que la bénédiction promise à Abraham était la nôtre. Parce qu'en réalité, Abraham, lorsque Dieu le rencontre, dans Genèse chapitre 17, Dieu lui dit, Abraham, il dit, je te bénirai. Dieu commence même avec Abraham directement par la bénédiction. Et quand Dieu lui dit cela, il dit, je vais te bénir toi et ta postérité. Mais regardez bien. Hébreux 6 le dit, le verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Abraham, lui, il a vécu le fait de la promesse. Donc il a vécu que l'introduction de la bénédiction. Parce qu'en réalité, Abraham n'a pas vu sa postérité. Il n'a vu que Isaac, mais il n'a pas vu la suite. Il n'a pas vu Jésus, comme le Père avait expliqué, que l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham était en Christ. Mais Abraham, à qui on avait donné la promesse, celui qui était le béni, il n'a vu que le fait de la promesse.
Il n'a vu que la partie introduction de la bénédiction. Et le Père a démontré que c'est nous, nous qui sommes arrivés ici, nous qui sommes en Christ, c'est nous qui devons vivre l'accomplissement de la bénédiction. Je croyais que tu allais me dire amen. Amen. Non, mais la qualité de ton amen, amen détermine la grâce de la bénédiction qui vient s'asseoir sur toi. C'est de toi que je suis en train de parler. Puisqu'Abraham n'est plus en vie, puisqu'Abraham n'est plus là, et il avait compris, lorsque Dieu vient bénir un homme, il ne voit pas seulement l'homme qui est présent, il voit des générations futures. Voilà pourquoi ne te dérange pas. Si Dieu a dit qu'il va te bénir, sache-le très bien. Dans la pensée de Dieu, il voit la progéniture, il voit ta descendance, et il sait très bien que si toi tu vis une portion, ta descendance vivra l'accomplissement. Voilà pourquoi tu ne dois pas être triste. Les chrétiens aujourd'hui, je ne sais pas si ça vient d'où. Nous avons développé la mentalité de penser que si Dieu t'a dit, il va te bénir, et tu commences à te tracasser en limitant la pensée de Dieu qu'à toi, en limitant la pensée de Dieu qu'à ta vie. Et on commence à se plaindre en disant non, je ne vois rien, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu, c'est un Dieu générationnel. Il compte des générations futures. Car lorsqu'il vient bénir Abraham, il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a prévu la bénédiction des familles. Est-ce que quelqu'un est dans une famille ici? Si tu es dans une famille, dis-moi amen. C'est-à-dire la bénédiction de ta famille a été déjà prévue dans les calendriers de Dieu. Quand il bénissait Abraham, il disait, toutes les familles de la terre seront bénies. Alors d'où est venue la pauvreté? D'où est venu ce que ta famille est en train de vivre? Parce que Dieu a défini les caps. Il avait déjà défini la direction. D'où est venu ce que tu es en train de vivre dans ta famille? Voilà pourquoi nous parlons de vivre la bénédiction au milieu des ténèbres. Parce qu'il y a eu quelque chose qui est entré qui ne devait pas être là. Et ce matin, par la puissance de la parole, tu vas vivre la bénédiction divine. Toi et toute ta progéniture. Dis-moi amen. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, mais pas ça. Mais moi, je suis seul. Je n'ai pas encore de progéniture. Mais moi, je ne sais même pas encore si je vais me marier. Si j'aurai des d'enfants, je ne sais pas. Mais Abraham aussi était dans le même cas. Quand je lui dis, quand Dieu vient lui dire qu'Abraham, tu deviendras une grande nation. Abraham était vrai stérile et sa femme, il ne pouvait pas imaginer. Et encore. Et lorsqu'il a commencé à enfanter, il n'a eu qu'Isaac normalement. Parce qu'Ismaël est venu à côté. Mais Abraham, pour les gens, pouvait lui dire, bien, mais Abraham. Et après, quand on te dit, perdre une multitude, mais ok, tu pouvais donner même 10 enfants, 20, aller au-delà. Mais avec un seul enfant, et tu te vois comme une multitude, Abraham savait, même à partir d'un seul enfant, la suite peut se multiplier. En réalité, c'est la même pensée. Quand Dieu a commencé à bénir Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28, je prends le verset 28. Vous allez comprendre une chose. Je suis en train de te montrer l'importance de la bénédiction divine. Je parle de la bénédiction divine parce qu'elle vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Elle est divine. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des paroles de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Alors dans Genèse
1:28. La Bible dit ceci. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dieu les bénit. Donc la bénédiction divine est le premier acte que Dieu a posé. Après avoir créé l'homme et la femme. Quand il les a créés. Avant il avait déjà béni les animaux. Il avait béni d'autres créatures. Mais quand il crée l'homme et la femme, la Bible dit, Dieu les bénit. Et maintenant ensuite, il révèle le contenu de la bénédiction. Il dit maintenant, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Et la assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Sous les oiseaux du ciel et sous tout animal qui se met sous la terre. Vous voyez Dieu ici, il pose le premier acte à l'égard de l'homme. Il fait quoi? Il est béni. Il est béni. Donc ça montre que Dieu, il se préoccupe de la bénédiction de l'homme. Il est préoccupé avant tout que tu sois béni. Que tu sois béni. Mais pourquoi il vient bénir l'homme ici? Parce qu'il savait une chose. J'ai créé l'homme en dernière position. Parce que c'est en dernier lieu qu'il a créé l'homme et la femme. Et il savait une chose. Que si je ne bénis pas l'homme, si je ne dévoile pas les contenus de sa bénédiction, l'homme aura les problèmes sur la terre. Il voyait la bénédiction comme étant un positionnement au-dessus des autres créatures. Et vous allez vous rendre compte que quand il dit soyez fécond, il a dit aux animaux aussi. Multipliez-vous. Il les a dit aussi. Remplissez la terre. Il les a dit aussi. Mais lorsque les gens assujettissaient et dominaient, c'est la bénédiction divine de l'homme qui vient pour les positionner. Je suis en train de te dire et de te montrer que la bénédiction divine va te positionner ce matin. La qualité de ton âme, c'est la position qui vient sur toi. Donc en d'autres termes, Dieu est en train de dire à l'homme, sois fécond. Ça devient productif. Ça devient productif dans les contextes de l'homme. Parce que l'homme devait se multiplier. Il voulait lui dire, et les enfants, sois productif dans d'autres domaines que tu peux découvrir en toi. Enfante, manifeste tout ce qui est en toi. Et ensuite, il dit, multiplie. Mais la multiplication ne peut pas venir si avant tout, il n'y a pas la production. Dieu voulait lui dire autrement. L'homme, quand je te dis, multiplie-toi. Cela dit, passe à une vitesse supérieure de reproduction. Ne reste pas à la vitesse initiale. Multiplie-toi. Car la multiplication n'est pas égale à l'addition. Si j'ai enfanté un et qu'on prend mon un, on le multiplie par 20 ou par 100. C'est une autre vitesse. On rentre que dans la pensée originelle de Dieu. Donc Dieu, quand il bénissait l'homme, il voyait déjà les processus. Il dit, mais tu ne peux pas rester là. Si tu enfantes les desseins que j'ai mis en toi, il faut qu'on voie la multiplication. Parce que ça fait partie du lot de ta bénédiction. Il dit ensuite, lorsque tu vas te multiplier, la multiplication fera en sorte que tu puisses t'étendre sur la terre, que tu puisses remplir la terre, que tu puisses étendre ton influence. Cela veut dire, on doit remarquer ta présence, même là où tu n'es pas là, parce que tu t'es multiplié. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. C'est la bénédiction du départ. C'est la pensée de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire ce matin dans ta vie. Dis-moi amen. Et après, il lui dit, lorsque tu vas étendre ton influence,
Alors à ce moment-là, tu deviendras maître. Tu vas prendre le contrôle. Tu vas assujettir. Rien n'échappera à ton contrôle. Mais tu ne peux pas arriver dans cette dimension si au départ tu n'es pas fécond. Et ensuite tu lui dis, tu vas dominer. Mais regardez bien. En réalité, Satan, il a attaqué la bénédiction de l'homme. Satan, il a attaqué la bénédiction de l'homme. Parce que la bénédiction de l'homme est composée de 5 étapes. Elle est composée de 5 étapes. Tu ne peux pas t'arrêter à être fécond, non. Tu ne peux pas t'arrêter à se multiplier, non. Tu ne peux pas t'arrêter à remplir, non. Tu dois passer à l'assujettissement et à dominer. C'est ça le règne de Dieu sur nous. Et c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Et ce que je veux te dire, en notre thème, la bénédiction divine te conditionne. La bénédiction divine te façonne. Lorsque Dieu a dit à l'homme, sois fécond. En notre thème, il était en train de dire à l'homme, regarde, dès lors que j'ai dit sois fécond, dès lors que j'ai dit soyez fécond, cela veut dire quoi? Tout ton corps s'adapte, s'ajuste au rythme de la parole divine qui a été déclarée. C'est là où il y avait la stérilité. Lorsque Dieu dit sois fécond, les choses sortent de l'intérieur. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui te conditionne, qui te façonne, qui te positionne. Et c'est ce que Dieu vient nous dire. Et quand il te dit tu es béni, c'est sa parole qui vient agiter des choses en toi. Spirituellement, il est en train de shifter. Spirituellement, il est en train de te balancer dans une autre dimension. Mais il faut que tu croies à cela. Il faut que tu acceptes la parole qui est comme une semence qui doit entrer en toi afin de te féconder, afin de te rendre béni. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que c'est de toi que je suis en train de parler? Si c'est de toi que je parle, dis-moi amen. Donc nous voyons que la bénédiction change la vie d'un homme. Je ne parle pas ici. Même le Père l'a dit. On ne parle pas de biens matériels. On ne parle pas de voitures. On ne parle pas de maisons. Tu comprendras qu'est-ce que Dieu appelle bénédiction. C'est la parole divine qui t'a été donnée. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Le monde nous a donné une autre facette de la bénédiction selon Dieu. En nous mettant sur des comparaisons bizarres qui ne sont pas bibliques. En nous faisant croire que si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas de voiture, si tu n'as pas de mariage, si tu n'as pas d'enfant, donc tu n'es pas béni. Je suis venu te dire que ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction divine, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Et il a dit à Adam. Et c'est la même parole qui nous annonce ce matin. Et je suis en train de te voir récupérer les territoires que tu avais perdus. Dis-moi amen. Et la bénédiction divine, c'est un message de l'évangile. Le message de la bénédiction divine, c'est un message qui doit être prêché aujourd'hui et jusqu'à ce que Jésus va revenir. Pourquoi Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli et qu'il est resté le troisième jour selon les Écritures. Et Galates 3, 13, 14 nous dit, Galates 3, 13, 14 nous dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Donc la Bible montre clairement que la mort de Jésus, Christ est mort, sa mort a été attestée. Et mais pourquoi Christ est mort? Il était devenu malédiction pour que nous nous soyons bénis. C'est le message de l'évangile. Paul a prêché cela. Il a prêché l'évangile de la bénédiction. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la place. Il y a eu un échange divin à la croix. Tu ne peux pas rester maudit. Non. Il a pris ta place à la croix. C'est de toi que je suis en train de parler. Il faut que tu acceptes cela. Accepter le message de l'évangile, c'est activer la bénédiction divine dans ta vie. Parce que la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on est sauvé. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au sali. Les salis, c'est le paquet de la bénédiction que Dieu nous a donné. Si c'est de toi que je parle, dis-moi amen. Il faut que tu répondes à cela. C'est le message de l'évangile. Nous ne pressons pas l'évangile de la prospérité. Nous ne pressons pas l'évangile d'avoir des maisons de son de ce bon nom. Nous pressons l'évangile de la bénédiction de Dieu, de l'œuvre qui a été achevée à la croix. Il s'est fait pauvre et riche qu'il était, afin que moi sous la terre, que je sois riche, que je marche comme un béni. Et je déclare, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Je porte sur moi les signes de la bénédiction. Je porte sur moi la marque de la bénédiction. La qualité de ton âme détermine la grâce qui vient sur toi. Il y a quelqu'un qui se dit, mais je ne comprends pas, quel est ce message ici? Je parle de toi. Alors ne te dérange pas. Si tu ne me réponds pas, amen. Sache-le, quand je presse là, je commence d'abord à me presser par moi-même. Je me dis des amen d'abord moi-même. Parce que si tu ne me dis pas amen, ma vie va t'enseigner. Oui, tu diras, pasteur, on est dans une même église. Mais on ne comprend pas ta vie. Non, tu ne comprends pas. Parce que tu ne reçois pas la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu. Tu ne reçois pas la parole en étant tout content. Tu penses que c'est la parole d'un homme? Non, pas du tout. C'est Dieu qui a dit cela. Et c'est son plan pour toi. Alors moi je me dis, amen Seigneur. C'est la bénédiction divine qui va m'accompagner. Dis-moi amen. Et Galate le dit. Il dit au verset 14, il dit 3:14. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui a été promis. Donc cette affaire ici a sa piste d'atterrissage, nous qui sommes en Christ. Donc en d'autres termes, Abraham, quand la Bible parle d'Abraham, il était riche. La Bible dit même qu'Abraham était puissamment riche. Mais quand la Bible définit Abraham comme puissamment riche, ce n'était que l'introduction de la bénédiction qui est la mienne. Donc en d'autres termes, nous nous devons vivre la bénédiction full option. Donc en d'autres termes, Abraham a expérimenté les béabas de la bénédiction.
Abraham a expérimenté l'école maternelle de la bénédiction. Mais la Bible dit qu'il était devenu fort riche. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham soit fort riche? C'est la bénédiction divine. C'est la bénédiction de Dieu. Mais oui, dans sa dispensation, il était remarquable à cause de la bénédiction divine. Mais ma Bible me dit que ce n'était que l'introduction. Où sont les gens qui doivent vivre la bénédiction full option? Où sont les gens qui doivent vivre la bénédiction full option? Où sont les gens qui doivent vivre plus qu'Abraham? Où sont les gens qui doivent vivre la bénédiction full option? La qualité de ton amen, c'est la grâce de la bénédiction full option qui vient sur toi. Frère, on n'a pas envié des gens dans la Bible. Il faut comprendre la parole. On n'a pas envié d'Abraham. Je n'ai pas envié Isaac. Je n'ai pas envié David. Je n'ai pas envié ces gens-là. La Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Voilà pourquoi Ephésiens 1:3 dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. En Christ, le Père a tout réuni. Il a tout rassemblé à un endroit comme ces jours-là lorsqu'il voulait mettre l'homme dans les jardins d'Éden. La Bible dit il a défini l'environnement, il a défini l'environnement, il a planté des plantes, il avait des courants d'eau, il a placé des pierres précieuses et puis il est venu placer l'homme. C'est de la même manière, il a défini l'environnement qui est Christ. Et ensuite, il nous a placés en Christ. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu dois vivre la bénédiction divine. C'est la manière de faire des choses de Dieu. En Genèse, il a fait la même chose. Il a d'abord, avant de créer l'homme, il a défini l'endroit où l'homme devait vivre. Un endroit béni. Je suis venu te dire que tu es béni. Puisque tu es en Christ, tu es béni. En Christ, le Père a tout réuni dedans. Voilà pourquoi ne cherche pas à aller en dehors de Christ. Si tu n'es pas en Christ, ma soeur, mon frère, mon message ne te concerne pas. Parce que pour vivre la bénédiction divine, il faut être en Christ. Il faut être en Christ. Ceux qui sont concernés, c'est ceux qui sont dedans. Deux pieds dedans. Ils sont bénis. Oh, dis-moi amen. Ne te dérange pas. Non, non, on va aller en dehors. On ne sort pas en dehors de Jésus. On ne sort pas. Oh non, on va aller récupérer des bénédictions. Il faut arrêter ça. Si l'ennemi a volé, laissez l'ennemi voler. En Christ, il y a la dimension création de toutes choses. C'est que l'ennemi a volé. Il n'a volé que la première étape. C'est que l'ennemi a pris. Ne te dérange pas. S'il a volé ton mariage, en Christ, le Père a tout réuni. En Christ, le Père a tout créé. Le Père a tout réuni. Ne te dérange pas. Qu'il vole ton travail. Qu'il vole ton mariage. Qu'il vole. En Christ, le Père a tout créé. Voilà pourquoi la Bible dit Christ est le second Adam. C'est-à-dire le Père a recommencé la création du monde en Christ. Voilà pourquoi nous sommes une nouvelle race. Nous sommes une nouvelle race. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, elles sont... Elle qui est? Dis-moi amen. La qualité de ton amen, c'est la grâce de Dieu qui vient. Ils ont tellement sanglé, ils ont quitté là-haut. Il n'y a pas à se déranger.
Il n'y a pas à se déranger. Oh non. Nous allons dans les camps de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Je ne pars pas dans les camps de l'ennemi. Parce que si je pars dans les camps de l'ennemi, je sors d'être en Christ. Dieu ne m'a pas dit de sortir. Je n'entre pas dans les camps de l'ennemi. Je n'entre pas. Je ne sors pas. Je suis en Christ. La parcelle est définie. Dans les camps de l'ennemi, je n'entre pas là-bas. Bon, excusez-moi. Je ne tire pas sur cette chanson-là. Vous aimez bien chanter là-bas. Non, nous entendons dans les camps de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. S'il a volé, c'est le passé. En Christ, toutes choses sont... Yassika. S'il a volé mes enfants, c'est le passé. En Christ, c'est autre chose dans mon ventre. Il y a autre chose à moi. Il a tout recréé. Reçois la bénédiction de la création divine. Ne n'entre pas. Bon, tu peux t'asseoir, c'est toi. Les centres ne me tirez pas. Chantez votre chanson là, chantez. Mais je vous révèle seulement qu'en Christ, je n'entre pas dans les cadres de l'ennemi. Je ne vais pas aller là-bas. Vous voulez chercher quoi? Il a volé tout. La Bible, tu ignores que celui qui est en toi, c'est un Dieu créateur. Il n'est pas un Dieu récupérateur. C'est un Dieu créateur. Il crée. Tu me voles. Il crée. Tu prends, il crée. Il crée, papa. Arrête de gaspiller l'énergie. Concentre-toi. Tu es en Christ. Concentre de ramasser tout ce qui est autour de toi. Quand tu sors au périmètre, tu entres dans le camp de l'ennemi. Tu n'as pas mandat là-bas. L'ennemi risque de te traiter différemment. Donc reste dans ta zone définie qui est en Christ. Voilà pourquoi je te parle de la bénédiction divine qui est en Christ. Dis-moi Amen. Donc nous comprenons que ce qu'Abraham a vécu, ce n'était que les béabas, des petites choses. L'accomplissement, c'est en Christ. C'est toi qui dois vivre ça. C'est toi qui vas vivre ça. Quelqu'un me dit, mais pasteur, mais ma vie, non, mais je ne vois rien en moi. Je n'ai rien. Je ne sais pas où commencer. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Tout ce que je fais, ça ne tient pas. J'essaie à gauche, j'essaie à droite, j'essaie de vendre les habits, j'essaie de vendre quoi que ce soit. Je pars à Dubaï, je pars à Kikwit, je pars à tel endroit, j'essaye tout, ça ne marche pas. Je suis venu te dire, voilà pourquoi le titre de mon message, c'est vivre la bénédiction divine au milieu des ténèbres. Je suis venu te dire, puisque tu es béni, ça va marcher. C'est au milieu des ténèbres que tu vas germer, au milieu de la contestation. Mais ta bénédiction va se manifester. Je ne suis pas venu te dire qu'il n'y aura pas de contestation. Il y en aura. Parce que notre Dieu aime l'environnement compliqué. Il aime quand les choses se compliquent. Il aime quand les choses deviennent plus difficiles. Parce que ça veut dire plus la situation devient difficile, plus il y aura une grande gloire là-bas. Voilà pourquoi ce jour-là, quand on est venu lui dire que ton ami Lazare est mort, Lazare est malade, il ne s'est pas empressé pour aller. Il savait ce qu'il faisait. Il dit non, il n'y a pas de problème. Non, c'est comme on dit. Abeti Kara. Il a fait semblant. Non. Continuons ce qu'on est en train de faire. Il savait que cette situation devait devenir pire. Parce que plus on parle, on dit que ça devient pire. Plus c'est la gloire. Oh. Arrête de te déranger. Tu sais. Il y a un homme, je vois là.
Un homme, un ancien prétend dit, il est le recteur de l'université de Kara. Je vais te dire, Dieu aussi a ses Kara. Dieu aussi. Oui, il a ses Kara. Quand il te donne ses Kara, il te zappe là. Il sait. L'objectif, il sait. Que ici, là, si je viens intervenir ici, la renommée ne sera pas accrue. On ne saura pas mon nom. Écoutez-moi bien. Dieu vise toujours une grande gloire. Donc, ta situation ne donne pas. Ne reflète pas la grande gloire de Dieu. Il n'interviendra pas. Il laisse les gens aller. Il laisse les gens parler. Il laisse les gens s'agiter. Et quand il vient intervenir, c'est comme on dit à Lingala, il faut bayoka sango. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Dieu aime ça. Le Dieu que tu pries, il aime ça. Il aime les échos. Il faut que les voisins parlent. Il faut que dans les quartiers qu'on remarque. Il faut qu'on voit vraiment qu'ils sont à Bali. Mais qui est celle-là? Celle qu'on avait dit hier. Abetela. Arobalagate. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je ferme la parenthèse. Ça. C'est notre Dieu. Le Dieu qui t'a béni. Donc il attend. Il a attendu pour Lazare. Il dit, non, ok. Quand on lui a dit que Lazare est mort, il dit maintenant, allons. Ça sont des stratégies divines. Voilà pourquoi il ne faut pas te lamenter. La Bible dit il faut attendre les secours de Dieu en silence. Le silence est là. Ça mûrit les problèmes. Et plus les problèmes deviennent mûrs. C'est une grande gloire qui est attachée à cela. Je suis en train de parler à quelqu'un qui était prêt à abandonner la foi, qui commençait à parler que Dieu m'a abandonné. Je t'assure, je suis venu te présenter un Dieu qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Il est fidèle car il n'a pas trompé les gens des temps anciens. Ce n'est pas chez toi qu'il va se montrer comme un trompeur. S'il n'a pas trompé Abraham, ce n'est pas pour ton problème qu'il va se tromper. Abraham a eu 100 ans. Les temps fatigués. Mais la promesse s'est accomplie. Toi, tu n'as même pas 100 ans. Comment tu peux te dire que Dieu t'a abandonné? Non. Un homme, une femme bénie ne pense pas comme ça. C'est Dieu qui a fait la promesse. Il est fidèle. Ne te décourage pas. Oh non. Je vais abandonner. Tu dis ça. Toi, tu as vécu les problèmes. Toi, on t'a déjà jeté dans la fournaise. On t'a jeté dans la fosse au lion. Non, mais vous croyez quoi? Quand on parle de Daniel, Meshach, Abednego, c'est quoi? C'est une fiction. Non, c'est une réalité. Toi, tu as vécu cela. Non. Et Dieu avait laissé ces gens-là entrer là-bas parce qu'il voulait qu'on parle de lui dans toute la nation. Je suis en train de dire que ton problème est là. On en parlera dans tous les Congos. Oh! Dans toute la ville, on parlera de ton nom. On parlera de ton cas. Arrête de dire non, Seigneur. Tu m'as abandonné. Non, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Il ne s'est jamais fatigué pour un problème de quelqu'un. Et pour ton cas aussi. Ah non. Dis à la personne qui dit lui, c'est non, il ne peut même pas se fatiguer de ton cas. Dis-lui même pour nous tous là, il ne peut même pas se fatiguer de ça. Alléluia. Amen. Et nous comprenons par là que quand Dieu nous bénit, c'est un transfert de capacités divines. Que Dieu nous communique. Quand il te dit tu es béni, Dieu
Dieu te fait un transfert de capacités pour que tu sois capable d'enfanter, d'encentrer, de manifester tout ce qu'il a mis en toi. Et la manifestation, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on peut avoir comme étant des maisons de voitures ou autre chose qu'on veut. Mais la capacité d'enfanter ces choses, c'est ce qu'on appelle bénédiction divine. La capacité de manifester la richesse du royaume, c'est ce qu'on appelle bénédiction divine. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, en d'autres termes, tu dois te considérer comme béni. Quand tu te vois béni, tu crois à cette parole, tu reçois cela et ça te donne le pouvoir, la capacité de créer, d'innover, d'aller dans des domaines où les autres disent mais nous on ne peut rien faire ici. Mais quand toi tu es dedans là-bas, on sent que toi tu innoves. Les hommes viennent te poser la question: et comment toi tu viens dans ce domaine ici où tout le monde dit que c'est compliqué, où tout le monde dit que non, on ne peut pas réussir ici, mais toi on est en train de te voir réussir. C'est ça la bénédiction divine, la capacité de manifester le divin. Parce que on remarque les chrétiens, bah comment bilanda landa, les chrétiens ils suivent tout. Non, oh non. Maintenant là, s'il faut aller à Dubaï, Turquie, nous tous, les amis Turquie, un homme, une femme bénie, qui marche à la bénédiction de Dieu, il n'est pas à la suite des gens, il n'est pas à la suite des idées des gens. Cela veut dire, son indicateur, c'est pas que non, voilà, un tel me dit ça, non. Son indicateur, c'est sa source en lui. Il sait. Tu vas découvrir ça. Qu'un homme et une femme bénis. Vous allez découvrir dans la vie de Joseph. Un homme et une femme bénis. Tout ce qu'il touche réussit. Les hommes sont bénis. Le monde vient nous dire: regarde. Que tu n'es pas expert dans tous les domaines. Et attention, ça ne va pas marcher. Attention, ça ne va pas marcher si tu oses tel domaine. Mais regarde, j'ai parcouru ma Bible. Je n'ai pas vu Dieu dans la dimension bénédiction divine. Là où la bénédiction limitait quelqu'un à un seul domaine. Je n'ai pas vu ça. J'ai découvert la bénédiction divine, qui est la capacité divine, bien sûr. Mais ça rend l'homme capable de se déployer dans tous les domaines. C'est lorsque je reçois la pensée de Dieu, je sais que je suis béni. Ce que je fais va réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te vois réussir à tous égards au nom de Jésus. Donc Dieu, en disant à l'homme tu es béni, en d'autres termes, on comprend que Dieu fait des choses par l'ordre d'importance. Quand il commence par la bénédiction, il veut te dire que je suis préoccupé. Je veux que toi, sur la terre, que tu sois un homme ou une femme réellement béni. Il dit que je veux que par toi, reconnaisse que la bénédiction divine, ça vient réellement de ton papa bon Dieu. Il fait des choses par l'ordre d'importance. Sinon, il n'allait pas dire ça à Adam. Sinon, il n'allait pas commencer cela à temps. Sinon, il n'allait pas introduire la bénédiction en commençant par Genèse 17 en disant: Abraham, je te bénirai. Pourquoi tu commences par ça? C'est parce que dans l'ordre important de Dieu, Dieu se préoccupe que nous soyons bénis.
tu ne peux pas rester maudit au nom de Jésus. Je ne te vois pas maudit au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de m'entendre ou pas? Dans la bénédiction divine, quand il dit à Abraham, dans Genèse 17, il dit ceci. Dans Genèse 12 plutôt. Des trois. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc nous voyons que la bénédiction que Dieu déclare à Abraham, il est dit parce que Dieu savait que lorsque je bénis l'homme, la bénédiction va rendre l'homme grand sur la terre. La bénédiction va les positionner. La bénédiction va faire de l'homme une source. Ce matin, Dieu est en train de te bénir. Ce matin, Dieu est en train de te bénir. Pour faire de toi grand dans l'environnement où il t'a positionné. Pour t'établir là où il t'a positionné. Cela veut dire, dans ta famille, Dieu va rendre ton nom grand. Je suis venu te dire, ne regrette pas pourquoi tu es né dans telle famille. Arrête de faire des prières païennes. Arrête de te lamenter. Seigneur, pourquoi tu m'as donné telle fille, telle famille? Famille, on va bola na ba bola. Famille, on va pauvre toute la famille. Ba bola na ba bola. Les pauvres. Mais tu ne sais pas que quand Dieu t'a sélectionné, il t'a dit tu es béni. Mais tu es le pion stratégique pour manifester la bénédiction. Tu es le commencement de l'histoire des hommes et des femmes bénis dans ta famille. Il veut élever un nom. Ah, est-ce qu'ils sont en train de parler à quelqu'un? Donc, à notre temps, je suis venu dire à quelqu'un, c'est bien fait pour toi. Comme ta famille n'est pas connue. Comme le nom de ta famille n'est pas connu. Il n'y a pas de souci. Au son de ma voix, comme tu m'entends, tu es la personne. Tu es la personne qui va élever le nom de sa famille. Puisque tu m'entends, c'est toi que Dieu a choisi en cette génération pour élever le nom de ta famille. C'est de toi que sont tes parents. Arrête de te plaindre. Bénis seulement Dieu. On connaîtra le nom de ta famille. On saura le nom de ta famille. Comme on a connu le nom de certaines personnes ici dans cette nation. Mais ça a commencé par un homme. Ces hommes-là n'ont pas eu quatre pattes. Ils étaient peut-être conscients d'une autre dimension beaucoup plus bas que toi. Toi, tu es conscient ce matin que tu es porteur d'une bénédiction divine. Donc, je vois ton nom être élevé. Je vois l'histoire de ta famille recommencer. Je vois le nom de ta famille être élevé. Même si le nom de ta famille a été connu dans le passé, je vois Dieu restaurer des choses par toi. Il va rendre ton nom grand. Peu importe ton âge, ce n'est pas question de l'âge. Ce n'est pas question de ton âge. Jeune ou vieux, Dieu est en train d'élever une génération de bénis de Dieu. Ça commence par toi. Ça commence par toi. Tu sors d'une famille inconnue. Tu sors d'une famille dans l'anonymat. Oui, c'est bon pour toi. Tu es la bonne personne. Tu sors d'un quartier inconnu. Tu viens de là de qui colle. On ne te connaît pas ici dans la ville. Oui, ma Bible me montre. Un jour, tu as appris quelqu'un qui était dans l'Odebar. Mephibosheth, il a ramené dans le palais royal un homme dans l'Odebar, Amaloué Kalaboua, inconnu. Oui, la bénédiction divine te positionne. Dis-moi amen si tu reçois cela. Je suis en train de te parler ce matin. C'est toi qui veux tout le temps se greffer à des gens pour dire que je dois me connecter à tel. Non, mais Dieu a dit à Abraham, non, tu deviendras source
La source de bénédiction. Source de bénédiction, c'est toi. Non, mais arrête. Ne pense pas que ta vie sera dépendante des autres. Toi, tu dépends toujours. Tu t'accroches toujours aux hommes. Non. Un homme béni, une femme bénie, doit être consciente qu'il est une source. Une source. Une source qui ne tarie jamais. En tout et pour tout, c'est toi qui dois approvisionner. Je parle à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est dit, comment moi je donne toujours aux hommes, on ne me donne jamais. Mais dis-moi, la source donne ou bien la source reçoit? Les gens qui disent, moi, on ne me donne pas. Mais Dieu a fait de toi une source. La source donne. La source approvisionne. La source ne t'arrive jamais. Arrête de te plaindre. Si Dieu t'envoie des gens pour donner, dis-toi que je suis la source. Je suis la source de la bénédiction. C'est moi qui dois donner. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner. La qualité de ton domaine, c'est l'approvisionnement divin. Je suis en train de te parler. Eh Seigneur, fais-nous comprendre ces choses. La bénédiction fait de nous des sources. La bénédiction fait de nous des sources. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 6:10, Seigneur, fais-moi grâce de finir mon message. Je ne suis même pas à la moitié de mon message. Père de grâce, ça va aller. 1 Corinthiens 6:10, parole de vie. Il dit ceci: ils nous rendent tristes. Ils nous rendent tristes. Et pourtant, nous sommes toujours joyeux. Ils croient que nous sommes pauvres. Pourtant, nous rendons les autres riches. Ils croient que nous n'avons rien. Pourtant, nous possédons tout. Frère, c'est ce qu'on appelle la grandeur de Dieu dans la simplicité. Donc tu es tellement grand. Mais c'est dans une apparence simple. Regardez Dieu dans sa grandeur. Quand il est venu sur la terre, il est venu simplement dans une petite boîte. Un enfant qui est né dans une crèche. Mais c'était la grandeur de Dieu dans la simplicité. Et Paul, comprenant cela, il dit, ils nous rendent tristes. Mais pourtant, nous sommes toujours joyeux. Il dit, ils croient que nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. C'est ce que tu es. La bénédiction de Dieu est un homme béni. Tu as l'apparence simple, négligée aujourd'hui, mais tu es une source de bénédiction. Tu as l'air, comme on dit, Tina Tezana Tina. Tina Te. Tu as l'air d'une personne. Même à l'église, on te néglige. Même à l'église, le protocole laquelle doit te regarder deux fois avant de te donner une place devant. On regarde ton accoutrement. On dit, toi, tu ne mérites pas d'être devant. Mais laisse-moi te dire, même le grand prophète Samuel s'est trompé un jour. On voudra rendre les frères de David à la place de David. L'homme se trompera toujours. L'homme se trompera toujours. L'homme regarde l'apparence. Mais Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu n'est pas dans l'apparence. Voilà pourquoi Paul dit, je suis béni. On nous regarde comme pauvres. Mais on enrichit plusieurs. On enrichit plusieurs. Je suis béni, te dire. Ta vie, c'est un mystère. Ta vie, c'est un mystère. Sois seulement conscient. Et quand tu seras conscient, tu vas voir comme signe les gens bénis par Dieu.
seront bénis par toi. Les gens seront bénis par toi. Donc ça veut dire, tu es la source. Tu es la source. Et la manifestation de ta bénédiction viendra toujours. Parce que tu es la source. Dis-moi amen. Laisse qu'on te néglige. Tina tes alati. Amen. C'est comme un homme, une femme bénie. C'est comme un fil électrique qui a du courant. Mais dans une maison abandonnée, plein d'étoiles d'araignée. Écoutez-moi bien. Et j'aimerais te donner un conseil. Si tu viens m'écouter, je vais te donner même, te dire, va essayer. Un fil conducteur, même si c'est rempli de poussière, même si c'est rempli de toits d'araignée, tant qu'il y a le courant dedans, si tu oses toucher, si tu oses toucher, tu vas sentir. Mais c'est dans un environnement sale, oui. Mais ce qui est dedans, ce qui transporte, c'est autre chose. Ça va te faire reculer de deux pas. Parce que il y a du courant dedans. C'est ça un homme, une femme bénie. Même si ton apparence, même si tu es un endroit compliqué, même si là où tu es actuellement, tu es dans une maison qui n'a pas de... Mais tu es comme ce fil conducteur dans un endroit compliqué. Mais en lui là, il y a quelque chose qui va te faire reculer de départ. Il y a la puissance de Dieu dedans. Qui éclaire, qui donne la lumière, c'est la bénédiction des enfants de Dieu. Comme un fil conducteur. Je suis en train de parler à un homme, une femme. Je suis en train de te parler. C'est ce que tu es. C'est ce que tu as fait de toi. Merci Seigneur. Ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Deutéronome 28:8. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Deutéronome 28:8. Il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il dit, il l'ordonnera à la bénédiction de tes suivants. C'est une capacité surnaturelle qui est en toi et qui doit te suivre partout. Frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Ah Seigneur, donne-nous là. Fais-nous grâce de comprendre. Fais-nous grâce de comprendre ça. Un homme, une femme bénie. Et nous allons voir ça rapidement. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Israël dans le désert. Je vais te faire montrer tout simplement une autre dimension de la bénédiction irrévocable de Dieu. Nombre chapitre 22. Je vais aller rapidement dans Nombre chapitre 22. La Bible montre les peuples d'Israël. Un peuple béni, conformément à la parole que Dieu avait déclarée à Abraham. Et lorsque ce peuple ici marchait pour aller à Cana, arrivé quelque part, la Bible dit au verset 1, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et il y a eu quelque chose, je vais te relater. La Bible dit ce jour-là, alors qu'ils avançaient, ils allaient au niveau, ils sont arrivés quelque part. Patrick vient. Les enfants d'Israël, reste là. Okay. Avance comme ça. Avance. Non, marche comme ça. Avec. Arrête-toi là-bas. Il venait. C'était un parcours. En quittant Égypte vers Cana. Alors ils sont arrivés sur les plaines de Moab. Quelque chose s'est passé. Israël est béni. Il marche par rapport à la bénédiction. Un peuple est béni. Et tu vas comprendre cela. Il est arrivé quelque part. Il devait traverser une ville ou une nation.
qu'on appelle le pays de Moab. Alors il y avait un roi qui avait entendu parler des dégâts qu'Israël faisait. Il dit au verset 2, Balak fils de Tsippor vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fit saisir des terrains en face d'Israël, d'enfants d'Israël. Donc, alors qu'Israël venait, le roi Moab a dit, non, ce peuple ici, c'est un peuple béni. Ils ont terrassé les autres là-bas. Nous aussi, c'est foutu. Pour nous. Non, c'est pas possible. Alors il a commencé à s'inspirer d'autres choses. Il dit, regardez, au verset 4, il dit, aux anciens de Madian, il a réuni les hommes. Il dit, c'est un peuple béni. Il va passer par nous. Écoutez ce qu'il dit. Cette multitude va dévorer tout ce que nous avons. Tout ce qui nous entoure, comme les baies broutent la verdure des champs. Il dit, c'est un peuple béni. S'il passe ici, il va nous manger. Il va nous broyer. Mais on va faire comment? Le roi commence à dire, mais on fait comment? Il a réuni ses conseillers. C'est un peuple béni. On ne peut pas l'arrêter. Le roi Balak, il savait. Un béni de Dieu, un puissant. On ne peut pas l'arrêter. Cela veut dire son chemin est déjà balisé. Israël est inarrêtable. C'est de toi que sont en train de parler. Il dit, mais Balak dit, comment on va faire? On ne sait pas comment on va faire. Alors la Bible dit, au verset 6, il envoie quelqu'un. Il veut coopérer avec un prophète qu'on appelle Balaam. Il dit, Balaam, j'essaie une chose. Celui que tu bénis sera béni. Celui que tu maudis sera béni. Comprenons l'importance de la bénédiction. Balaam avait compris. Un peuple béni, il est imbattable. Il est invincible. La sorcellerie ne peut rien faire contre lui. Comprenez-moi très bien. Je vais finir par ça. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Car, parce que, il est plus puissant que moi. Mais qu'est-ce qui rendait Israël puissant? C'est la bénédiction divine. À notre terme, si tu les maudis, ils seront faibles. Ils seront dominés. Il dit ceci. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserais du pays. À notre thème, Balak savait. Il dit, un peuple maudit sera chassé. Un peuple maudit, il sera battu. Tu es là ce matin. Tu te vois chasser d'un endroit sans raison. C'est le signe de la malédiction. Quand quelqu'un qui est maudit, on peut les chasser à tout moment. On se réveille un matin, on te chasse du travail. Tu ne comprends pas. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? Balaam savait qu'un peuple maudit, on peut les chasser à tout moment. On peut les battre. On peut les vaincre. Et ils savaient de l'autre côté, si un peuple est béni, on ne peut pas les chasser. On ne peut pas les maudire. On ne peut pas les battre. Je suis venu te dire, tu es venu. On ne te battra pas. On ne te chassera pas dans les endroits où tu es positionné. Parce que tu es béni, tu vas semer la terre, la qualité de ton amen. Ça te positionne. Balak savait. Il dit, viens, maudis-moi. Dis seulement des choses. Et Balaam lui dit,
Mais je ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Il dit, mais je ne peux pas. Balak, il vient. Balak, il lui donne les présents. Yeah, il lui donne des choses. Il dit, mais viens. Je vais te montrer. Là où tu dois bien les maudire. Balak a dit, tu es positionné. Regarde-les, ils sont là-bas. Maudis-les. Maudis seulement. Tu lui dis seulement un mot. Et ce peuple sera affaibli. Mais une chose est vraie. Balak ne savait pas. Balaam lui a défini des choses. Il lui a défini qu'est-ce qu'on appelle bénédiction divine. Il dit, tu dois retenir dans ta tête. C'est lui que Dieu a béni. Il est béni. Et il mourra béni. C'est une décision irrévocable. Tu ne peux pas changer cela. Balak a dit, Balak a lobby, et toi, je vais te rendre riche, mais tu ne veux pas. Mais bénis-moi, c'est body seulement, non. Balak a dit, Balak a lobby, je vais essayer. Allons-y quand même. J'aime l'attitude de Balaam. Il dit, allons-y. Ils sont allés. Il dit, ok. Toi, assieds-toi ici. Il dit, assieds-toi ici. Ok. Mettons l'hôtel. Assieds-toi là-bas. Moi aussi également. On va invoquer. On va parler. Ok, on y va. Attends. Et Balak s'attendait qu'il y ait une parole de malédiction. Il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait. Et du coup, la Bible dit, la parole de l'Éternel s'est adressée à Balaam pour lui dire, pour lui parler. Balaam, tu ne peux pas. Balaam, tu ne peux pas. Il lui dit, dans Nombre 23, au verset 9, il dit, je le vois du sommet des rochers. Je le condamne du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Un peuple à part. Et Dieu lui dit aussi, dans Nombre 23 toujours, le verset 19, il lui dit, Balaam dit ceci, lève-toi. Et il dit à Balak, lève-toi, tu vas écouter. Tu vas écouter. Tu vas comprendre. Il lui prête l'oreille. Balak, tu vas comprendre. Qui est un peuple béni. Et il lui prête l'oreille. Fils de Tchipor. Tu vas comprendre. Aujourd'hui, tu vas comprendre qui est un peuple béni. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Même si je suis prophète, je ne peux pas changer la destinée d'un peuple béni. Balak, tu me donnes les présents. Mais je suis incapable de changer la destinée de l'homme béni. Oui, il est béni. Ils sont bénis. Je ne peux pas. Je t'ai démontré que je pouvais faire ta volonté. Mais Balak, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis venu te dire, tu vas donner des leçons à des sorciers de ta famille. Je suis venu te dire, tu vas donner des troubles aux sorciers de ta famille. Aux occultistes, c'est de ta famille. De ton travail. Tu vas leur donner du travail. Ils vont chercher par tous les moyens. Comment t'avoir? Comment te maudire? Et ils finiront par reconnaître que tu es béni. Que ce que Dieu a dit à ton sujet est irrévocable. Et je suis venu te dire, ils changeront la vie. Ils viendront dire, finalement, il est au cocaïté. Finalement, on ne peut pas les toucher. Et c'est ce que Balaam a dit. Au verset 21, il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob.
Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. C'est lui qui fait sa joie. C'est lui qui fait sa force. Sa joie ne vient pas des objets. Israël ne court pas derrière des bénédictions de sauts. Il ne court pas derrière des voitures, des maisons. Il ne cherche pas sa joie dans les objets. Israël puisse s'asseoir auprès de l'Éternel son Dieu. C'est un peuple béni. Il dit, il est pour eux comme la vigueur du pif. Et le verset 23 que j'aime, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Satan, ni la divination contre Israël. Donc la sorcellerie, l'occultisme ne peut rien faire contre toi. Aujourd'hui, les chrétiens bénis, ils ont peur de l'occultisme, ils ont peur des sorciers, ils ont peur des gens qui ont des petits pouvoirs. Mais laisse-moi te dire, sois seulement conscient que tu es béni. La vérité est que l'enchantement ne pourra rien faire contre toi. La divination, tout ce qui est maraboutage, ne peut rien faire contre toi. Je suis venu te dire que tu verras que ta vie va monter. Rien ne va t'arrêter parce que tu es béni. Il dit, c'est un peuple qui s'élève comme un lion, et qui se dresse comme un lion. Il se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Tu vas dévorer ta proie au nom de... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il te dit, n'aie pas peur d'avancer dans ce que tu fais. Donc dans au milieu des ténèbres, il dit, l'enchantement, la sorcellerie ne te fera rien. Dans un environnement plein de sorciers, d'occultisme, toi, rien de mal ne te touchera. Il dit, rien ne va t'arrêter. Je croyais que tu allais me donner un amen. Nous, là où nous sommes, là où Dieu nous a positionnés, c'est un environnement pollué où Satan est en train de battre son plein, où l'ennemi est en train de renforcer ses actions. Et ce matin, Dieu est en train de renforcer aussi. Il dit, il faut que tu saches que rien du diable ne te touchera, même s'il faut des complots contre toi, ça sera sans effet. La qualité de ton âme, te positionne. Je suis dans une famille pleine de sorciers. C'est bien fait pour toi. Tu es la bonne personne pour être dans cette famille-là. Pourquoi? Parce que l'enchantement ne peut rien faire contre toi. La divination contre rien de toi. Et Dieu sait pourquoi tu dois rester là. Oh non, je suis dans une famille, dans un quartier, dans une parcelle pleine de sorciers. Tu vois même des chrétiens qui quittent des parcelles. Ah non, cette parcelle ici. Bandoki balégué belé. Un homme, une femme bénie. L'enchantement, la sorcellerie ne peut rien faire contre toi. Tu vas germer là-bas. Tu seras prospère là-bas. Tu seras béni là-bas. Tu achèteras des maisons à partir de là. Tu confesses cela et tu vas vivre ça. Dis-moi amen et acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bambolankolo. Tu vas vivre au milieu des ténèbres. Tu vas avancer au milieu des ténèbres. Tu vas prospérer au milieu des ténèbres. L'enchantement, l'envoûtement.
Que tes ennemis se multiplient. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Tu es inarrêtable. Ta bénédiction est irrévocable. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et commence à prier. Commence à déclarer que je suis béni. Je vais vivre la bénédiction au milieu des ténèbres. Je suis béni. Je suis béni. C'est dans mon ADN. Oui, même au milieu des personnes ou dans un environnement hostile, je vais manifester la bénédiction divine. Alors déclare-les ce matin. Tu es en train de les déclarer. Si tu as créé cette parole, déclare-les dans ton lieu de travail. Tu vas monter, tu vas avancer. L'enchantement ne peut rien faire contre toi. La sorcellerie ne pourra pas t'arrêter. Alors élève ta voix et prie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je ne t'entends pas prier. Déclare-le. Aujourd'hui, cette parole vient te booster. Elle vient te soulever. Elle vient te positionner. Elle vient te faire de toi grand. Elle vient élever ton nom. Seigneur, merci pour ta parole. 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 Et ce matin, si tu es là, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce message est pour ceux qui sont en Christ. Et si tu veux vivre ces choses, je vais te demander une chose. Juste élever ta main gauche. Juste élever ta main gauche. Et de mettre ta main droite sur ton cœur. Tu veux vivre la bénédiction divine au milieu des ténèbres, dans un environnement rempli de sorciers, un environnement hostile. C'est possible, mais à condition que tu donnes ta vie à Jésus. Et aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur alors que tu as écouté cette parole. Je t'en supplie, ne sors pas d'ici sans pour autant donner ta vie à Jésus. Élève tout simplement ta main gauche et mets ta main droite sur ton cœur en signe d'abandon, en disant: Seigneur, je vais être en Christ. Je vais vivre la bénédiction divine. Aujourd'hui, je veux que ma vie change. Aujourd'hui, je veux une nouvelle direction. Je suis béni. Aujourd'hui, je t'accepte. Alors, si nous sommes là, tous ensemble, nous allons accompagner nos bien-aimés dans cette prière. Nous allons dire: Père de grâce. Disons tous: Père de grâce. Merci. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire de moi ton enfant qui doit bénéficier de la bénédiction divine. J'accepte de te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur. Aujourd'hui, j'entre dans ta maison. Aujourd'hui, je deviens une nouvelle créature bénie en Christ. Je t'appartiens et j'ai été positionné sur la terre pour vivre la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la vie de nos bien-aimés. Merci tendre Père pour ta parole qui vient nous positionner. Et nous sommes bénis à tous égards. Et nous allons acclamer le Seigneur.